Je m'appelle Florence Payat, j'ai 42 ans, je suis enseignante dans un lycée à Poitiers. Je suis la maman de deux enfants qui sont à l'école primaire à Poitiers. Les séjours scolaires dans les écoles de Poitiers sont devenus quasiment inexistants. Il n'y a presque plus de classes vertes, de classes découvertes dans les écoles de Poitiers parce que c'est devenu en fait trop cher pour les écoles. Les budgets municipaux sont tombés à rien du tout pour ces séjours-là. Il y a des subventions allouées pour les actions scolaires, enfin culturelles, sportives ou écologiques à la journée, mais pas pour des vrais séjours. Donc ça me semble un problème important dans les écoles actuellement. Les rares écoles qui arrivent encore à organiser des séjours nature, des classes vertes, etc., demandent une participation importante aux familles. Et donc beaucoup d'écoles, en fait, beaucoup d'enseignants s'auto-censurent, n'organisent plus ces classes-là parce qu'ils constatent que ça ferait trop cher pour les familles. Alors avec Ozon, nous allons mettre en place de véritables budgets pour les séjours scolaires et notamment les séjours découvertes, classes vertes, etc. Parce que ça nous paraît indispensable que dans le contexte environnemental actuel, avec tous les périls qui nous guettent, tous les enfants soient sensibilisés aux problématiques environnementales. Or, de vrais séjours nature sont indispensables dans ce cas-là. Une petite journée découverte ne suffit pas. Il faut de vraies immersions dans la nature pour de nombreux enfants qui n'ont jamais sinon l'occasion d'être vraiment plongés dans un milieu naturel. Beaucoup d'enfants de Poitiers ne fréquentent pas les milieux naturels hors de possibilités offertes par l'école. Donc cela va être mis en place par Ozon, de véritables budgets consacrés au séjour nature. Et puis aussi, nous avons ce projet de mettre en place des centres de séjour scolaire pour justement que les enfants soient vraiment en relation avec la nature, en immersion dans la nature. Alors, c'est pas forcément loin. Ça peut être sur les berges du Clain, ça peut être sur les berges de la Boivre. On a beaucoup de forêts aussi autour de Poitiers qui peuvent se prêter à ce genre de séjour. Donc, Ozon organisera une restructuration, une rénovation de lieux à Poitiers ou dans les environs, comme par exemple, dans le parc des Prémignons, il y a ce très beau manoir. Nous prévoyons de le transformer, parce qu'il est complètement à l'abandon en ce moment, de le transformer en centre de séjour nature. Et puis il y a aussi le manoir de Beauvoir qui est totalement sous-utilisé actuellement par les écoles. Donc il faudrait le restructurer, le remettre en place par exemple. Ces lieux permettraient aux classes de venir pendant le temps scolaire ou aux enfants de venir par exemple le mercredi après-midi à des tarifs tout à fait inférieurs à ce qui se pratique actuellement. Et cela permettrait aux enfants d'être vraiment immergés dans la nature.